25. Cette émission-ci, je vous présente Pierre-Luc Bouvrette, un comédien. Nous l'amenons faire du parapente à distance vol libre à Saint-Paul-d'Abbotsford. Nous en profitons pour déguster les produits du vignoble Les Petits Cailloux. Bonne émission! Ta recherche accomplie pour interpréter Beethoven? Ben moi, Beethoven, c'est mon compositeur préféré. Donc, alors, ça fait très longtemps, j'ai mon buste de Beethoven, j'ai sa biographie chez moi. Alors, je me suis remis à la musique, je me suis remis à écouter les pièces que je connaissais moins, relire sur sa vie, ses grandes lettres d'amour à son immortel bien-aimé. On ne sait toujours pas c'est qui. Il y a des films qui ont été faits, justement, bon, l'immortel bien-aimé. Donc, je me suis remis beaucoup dans les images, dans les peintures. Il y a des peintures qui sont très surprenantes. Il y a l'image qu'on voit tout le temps avec son petit carnet, la tête penchée. Mais il y a d'autres images où on le voit dans la nature quand il marche dans des positions qui ne sont pas conventionnelles dans la peinture. Fait que ça m'a nourri beaucoup. Puis bon, je ne sais pas si tu as vu les planches de costume. Mon costume, déjà, il y a quelque chose dedans. Ouais, ouais, ouais. Puis l'orchestre, là, écoute. Est-ce que c'est une période dans laquelle tu aurais aimé vivre? Ben moi, j'adore ça parce que très souvent, tout le monde dit « j'aurais voulu vivre dans ce temps-là ». Je pense pas. Il faut le voir au quotidien. Il faut le voir dans quelles conditions il a vécu de froid. Veut dire, il n'y a pas la laine rose minérale, là, tu sais, le froid. Même Mozart, on peut pas imaginer que Mozart a mendié à la fin de sa vie. On peut-tu imaginer? Alors, tu sais, quand on voit Mozart, les belles perruques, les belles robes, ça, c'est bien beau quand t'es dans le party du roi, là. Quand il était à la cour, c'était extraordinaire. Après ça, quand il est tout seul là, chez eux, avec sa chandelle, puis ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé, puis qu'il doit continuer à écrire. Ça, ce bout-là est un peu moins glamour. Là, tu sais. Bon, on va faire un jeu maintenant, par exemple. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est possible, mais en toute sécurité, c'est beaucoup mieux. Voici Stéphane qui va nous expliquer comment procéder avant de sauter. Bonjour Stéphane. Bonjour. Qu'est-ce que l'on doit faire? Parce que Pierre-Luc semble un petit peu inquiet en ce moment avec ses gougounes, avec du tape, là. Ouais. On se situe vraiment au décollage sud, un de nos 4 décollages à distance vol libre. Et puis, on va vraiment faire l'explicatif avant vol, à savoir le briefing, comment ça va se passer pour le vol pour Pierre-Luc. OK, fait que présentement, on va juste prendre un petit peu le matériel. On va aller se placer juste un petit peu en avant pour aller voir le décollage. Fait que première chose, on va installer le harnais, la sellette. Fait que tu peux installer ça comme un sac à dos. Complètement décollé. Seulement, quand je vais te le demander, je vais te demander tout simplement de t'asseoir. Je vais te demander de juste lever tes deux genoux simultanément. On va se retrouver bien assis comme dans un lazy boy. Exactement. Ensuite, on va profiter de notre vol. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour notre vol. On a des belles conditions aujourd'hui. Un beau petit vent, des oiseaux qui se promènent dans les airs. Girl, if it's all right, 100%.
innocent. It's an electrical, I won't let you know, I won't let you go until you say please. Girl, if it's alright. Je suis à distance vol libre à Saint-Paul-la-Bosford et pour nous parler de ces expériences extrêmes, nous avons Stéphane avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous. Bienvenue à distance vol libre. Donc, nous allons faire du parapente. Qu'est-ce que le parapente? En fait, le parapente, c'est un planeur de pente. Fait que c'est vraiment la possibilité de voler, de remonter dans les airs, de vraiment pouvoir bénéficier des ascendances pour, en fait, voler. Plusieurs types de vols qui peuvent s'exécuter. Des vols voyage, des vols acrobatiques, c'est pas mal ça, les activités essentielles. Et j'ai appris que ce n'était pas la même chose que le parachute. Même les membranes n'étaient pas les mêmes. En fait, c'est ça, le parachute, c'est vraiment fait pour descendre. Le tissu du parachute va être vraiment perméable à l'air, tandis que le parapente va être vraiment imperméable à l'air pour vraiment pouvoir bénéficier des meilleures performances possibles pour vraiment être capable de remonter en altitude. Et quel genre d'expérience et de sentiment que l'on peut vivre lorsqu'on est dans les airs? En fait, c'est vraiment un sentiment de liberté. Et puis, c'est la manière la plus pure de voler, celle qui se rapproche le plus de l'oiseau. Et puis, la manière la plus simple, juste le bruit du vent. On joue avec les éléments naturels. Donc, c'est vraiment la manière la plus simple, la plus pure pour voler. Si je te mettais en contexte, deltaplane, parapente, paramoteur ou parachute, qu'est-ce que tu choisis? En fait, parapente, vraiment le sac à dos portatif, l'avion portable qu'on peut transporter, qu'on peut aller transporter d'un pays à l'autre, la possibilité de voyager, de découvrir tous les pays à travers la planète du haut désert. C'est quand même le parapente qui l'emporte dans toutes ces activités. Où est-ce que tu es allé pour une place exotique? En fait, Suisse, Japon, Mexique, des endroits un peu partout. En fait, chaque fois qu'on part, on prend le sac à dos avec. Puis, ça nous permet de découvrir les pays du haut des Alpes. 100%.